And the glass heist. There is the move. Mouse aim. Hold left click to shoot, so I need mouse. But mouse cursor is not visible. Rebound, right click. Matari se réveilla pour trouver sa boîte de donations disparue. Avec un trou dans son jardin, probablement là où le voleur s'est échappé. Résoudre cet incident, la prêtresse doit explorer un complexe de tunnels souterrains. Tenter des cas effrayants et peut-être trouver quelques trésors pour l'aider sur son chemin. Ok. Edward, treasure. Over strength. Key. Nice. Okay, okay. Le notarial. Alors, c'est géré de manière aléatoire. On n'a pas récupéré de bombes encore. Juste un PV à la limite. Limité à 6 et 6. Ok, ok. Extra bombe, power, full power, 1 HP. Max power, ok.
C'est une cette voix. Edouard. N'est-ce pas? Shanghai. Ok. Ok. Pas d'autres trésors. On peut utiliser la l'ampoule comme lampe. Sigma dish. Level 10. Bon sang, je peux rien voir ici. Ah, pardon. Qui a dit ça? C'est moi. Ah, c'est bien. Où est-ce que tu joues dans cet endroit? Je vais dans ma cove avec ces filles. C'est amusant. Tu veux te joindre à nous? Non. Allez, pourquoi pas? J'ai pas le temps. Je donne la clé pour que je puisse trouver la personne qui a volé ma boîte. Non, je joue à Danmakus. Si tu gagnes, je te donne la clé, ok? Est-ce que je vais prendre par force? C'est un deal. Ok, lumière. Amulette des ténèbres. Ok, plus d'épaisillant, c'est cool. Ok. Il y en a d'autres. Pas de secret débloquable. Apparemment pas. Ok. Il y a la tournante. La clé pour sortir. Comment déjà full power, full. Pas les full bombes encore. Regardez full power, c'est plutôt mal. Medicine. Ah.
Demon Knight Cup. Ok. Pas grand chose de plus ici. Ok, donc il commence un peu à taper dur sur les PV. Best chug. Oh, bugger ça. Grosse explosion. Icolor. Du coup, il y a un magasin là, c'est ça? Ouais. Techniquement, j'ai juste besoin de ça, donc je crois que je suis pas en bombe. Ouais. Ok. C'est bien qu'il y ait le petit globe pour voir les projectiles. Silver knife. Au niveau du là, c'est un petit peu plus grand au fur et à mesure. Est-ce que skip des levels au besoin? Ça shoot assez rapidement aussi. Léger targeting, c'est pas super important, mais il existe. Oh bien. Ça en est bon. Que je me demande si je joue sur le fait que
Cadre relevé, ça fait off-pip du power. C'est pour que ça soit dans le shop, j'assume que c'est le cas. Charme de jalousie. On met deux mi-cœurs aussi, donc c'est possible qu'on prenne que des dégâts par mi-cœur. Exit ici. Et après on a le boss. Alors bien. J'aurais dû amener une écharpe. Eh bien Cyrano, montre-toi. Je ne suis pas Cyrano. Viens donc, qui es-tu? Et moi, les gars, tu t'en penses... T'en es pas, hein? Oh, je préférerais affronter Cyrano. Pardon? Tu veux dire, tu veux payer pour ce que tu vas faire ou bien? Je n'ai pas peur de toi. Je suis sûr que tu n'as pas peur. Le seul truc, c'est que ces projectiles, ils font du... passe à travers les murs. D'avoir pas mal de projectiles là-dedans. Night Cape. Ok, bah donc les boss commencent un peu effrayés vers les Final Phase, sauf si je peux trouver un moyen de bloquer. De me cacher. Judgmental Stick. Ah, du coup, on a tué ceux qui passent à travers les murs. Ah, c'est vrai qu'on a la meuf, j'ai pas vu. Allez. Mmh.
aussi mortel. Faire la faux. Pas que ça, les pertes sont assez minimales en soi. J'ai récupéré la vie perdue, c'est cool. Je pense qu'on a pas eu trop de bol sur la vie avec les autres ennemis. Viens par là. Ok, ok. Fire arm. Shop. Extra. Déjà pas voir max, il y en a un peu de PV dans le coin. De mémoire. Va faire le corner dommage. Leaf of Trickery, Amizu. Ok, ok. Mais là, dès qu'on est plus max power, on paie à chaque fois. On perd un des homing, ça c'est pas super. Ils vont être un peu agaçants à force. Shield. Okay.
Une deuxième. Que celles-ci peuvent passer derrière les... Les heures peuvent passer à travers les murs. Pas les... les cars. Ils sont en rotation autour d'un... quelque chose, mais c'est pas nécessairement visible. Il est parti en roulis, j'ai l'impression. Il shoot toujours à la tangente. Ok, on sait où est la sortie. Ici. L'œil de la rumeur. Ok, donc le plus effrayant, ça va être les lasers affrontés après. Quoi? Oh, tu m'as fait peur. Non mais qu'est-ce que tu fais ici? Pas des affaires. Tu caches quelque chose? Tu fais partie de cet incident? Très bien, ce qui se passe ici, mais quelqu'un va devoir se faire démonter. Oh, donc ils drop des mondes où ils font spawner des projectiles, ok. C'est sens maintenant. Alors je deal pas avec avec ce final hein. Surtout avec le laser. Ok, ok, ok. Cap, cap.
Ah, il a un shield. Ok. La gimmick du terrain. Chapeau précieux. Et je tire quand même en retour. Talisman amphibien. Sous pour l'instant. Deux. C'est bien que les projectiles changent de couleur pour que le mur puisse le visiter. Nice, ok. Dans l'un identifié. Ah, on peut détruire. Ok, donc les bombes peuvent détruire les tourelles. Okay. Celui-là, ils sont un paquet de vie. Hein. C'est que tu veux la clé. Ouais, donc pas toucher à la lave hein, pour être tranquille. À côté de la sortie, c'est une bonne nouvelle. Quand il y a un laser ici, je vais avoir un peu mal à voir les choses. Le seul truc, faut que je zippe sur l'écran pour faire les dégâts. C'est les deux savent encore.
C'est qu'on trouve le trésor de cet étage. Ouvrez l'effrayante. J'imagine que le base shot doit être plus puissant que le reste. Et on va pouvoir skipper aussi cet argent là. Le boss de la zone va être assez effrayant à affronter. Est-ce que ça passe à travers les murs? C'est un trail. Okay. On n'a pas la clé donc ça importe peu. Balai magique. Donc c'est techniquement c'est pas elle qu'on affronte au level 40. Deux ennemis étaient regroupés à gauche. Est-ce que je me rachète quelques bombes? Pas de bombe, hein, ok. Oh bien. On va récupérer les intendants. Les intégrateurs nucléaires de classe 3. C'est pour ça, ok. Trois flammes. J'aimerais qu'il y ait deux trésors par level, normalement j'ai juste besoin de partir maintenant. C'est de faire gaffe. Ok. Il va me fermer ici si je fais pas gaffe. Ok. Détruire celui-là. Ok. Et un de moins.
enfin débarrasser de cela. La clé est là, mais j'ai besoin du trésor. Cheddar. À côté sur le thème de... de Seilensen. Pour les objets. C'est infernal tout ça avec les... le feu partout. Avec les trails. Absolument infernal. Ok. Non, c'est que maintenant. Bien. Bon, les deux ils sont là en bas. Et il y en a un de moins déjà. On va avoir un peu plus de possibilités pour monter. Swirly Entertainment Device. Et la clé ici. Il est dans un mur. Eh, c'était le dernier encore. Sorti par là. Un peu de power même si on est max. Power. Oh wow. On a tout que level 38. Okay. On a encore deux bombes pour suffire. Et dans le cas où j'aurais gardé un power-up. C'est sale quand même ce qu'ils ont fait. Cela. Okay.
Violet hanté. Ça veut dire qu'à la fin on trouvera la donation box. Ou est-ce qu'on trouvera notre trésor en même temps? On a trouvé le trésor, ça m'importe peu la suite. Je peux sentir que je suis prête. Montrez-vous! Alors tu es arrivé aussi loin, hein? Ah, je m'attendais pas à ce que tu me trouves. Pas de protection. Toi! Qu'est-ce que tu as fait à ma boîte? Oh, j'ai volé avec l'aide de l'une des machines à l'isolée. Ça a également attiré beaucoup de déchets. Mais on s'en fiche. Regarde que tu as plus de boîte de donation, tout le monde va aller à mon temple à la place. Sérieuse? Mais jamais, je ne reçois pas beaucoup. Je vais pas te laisser voler les affaires des autres gens, spécialement si ça appartient à moi. Dis si tu penses que tu veux me vaincre cette fois-ci. Regardez-le bien. On peut récupérer quelques power, mais... Ok, au moins je récupère un peu. Je vais juste profiter des frames à ce niveau. X. On récupère des PV avec les... avec le reste, ok. Une idée de balance. Ok. So just don't use bombs. But also, why did not need the bombs? Oh,
Of course, well, the only shop I needed the bombs in had no bombs. Because. I guess it was a mistake to not use bombs, to use other bombs at the start, because of course the final fight had to be much more scary. Target cell pretty small, but does not help too much. At least it was the same treasures to find every time. But money will be needed very much. At least we got the final phase, so that's already a good thing. Just need to make sure that next floor I have enough to buy. That's a strong start. Such a nice floor. So I have to deal with all those frames with pretty much zero protection. Why are there so many spawning? Are the spawns actually random? Because
If it, they gave me this many flames from the start, that's a bit rough. There's like three, at least six in there. And that's 4 HP. What do you mean the chest is the right, I hope that I don't need to sacrifice HP to get to that shop. It's kinda messed up if it's the case. Maybe I have to actually sacrifice some HP to get to that shop. I hope that's at least bombs. Getting two bombs would be great. Alright. Let's see. Two bombs, three bombs, okay. Alright. Full power up. Right, I do need to defeat the enemies if I want to gain some HP. That's the only need I have. Nice flame sniper. Non HP. One heart, okay. Need to go from the top. Okay.
c'est top right. There's no more. Space to flame more HP. Man, bubble absorbed. Eh. Not the best. Big open space. Might have targeted the closest enemy. That's why it took so long. Vous avez un HP. And why do these enemies give no hearts? Figured I would have been at least at full HP at this point. Top right. Okay. It just to go top. This too. Only power. Give me hearts. I need HP. I have two more floors to go. Would be surprised if there's a floor worse than 35 on the spawns. But that was truly a spectacle. So the homing gas does have some limits. Okay. So those are just stationary and moving and shooting at random then. Let's do. An issue with those enemies that you can just spawn things inside walls and those disappear. Like the only major issue. Repower. Who drops hearts? No one in this floor actually drop HP. That's insane. Piece of power.
And I think this one is guarding the exit, yep. I can't wait for the only heart to spawn, being from this flame, and just fall into the wall slash lava. I should be a bit more prepared with the boss. It's another great spawn. Nice. We have to lose 2 HP for... Losing HP is a bit better than... Losing bones. But that bounce was the worst get. Okay. So I assume that the third one only shoots at 96. So I have 7 HP only. Then you got full power. Can I get a piece of HP? Please. Of course, it's inside the wall. Twice in a row. They lose 2 HP from the walls and 2 HP from the spawn. So first second is the flames. She's on the left side, that's not good. You two do my best, okay.
Don't you dare ask me for the continue, because the fight is kind of rough. I'll continue recording, I guess. At least we give away some iframes at the start of rounds. But was the last 10 stages do have some rough spots to spawn in. We should have at least gotten all the... All the treasures. Yeah, 39 plus the donation box. Game Maker Studio recognize the logos in the files. It's a cute game, but yeah, the ending is rough. That's for sure.